Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'ObjectifNews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'ObjectifNews.tv. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans le Club Éco d'ObjectifNews.tv. Nous recevons ce soir Didier Gardinal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie régionale de Midi-Pyrénées. Parlons conjoncture si vous le voulez bien. Comment s'est passée l'année 2011 pour les entreprises de la région ? Je dirais que dans le contexte économique actuel, la conjoncture et le résultat des entreprises de la région est moins pire qu'ailleurs, on va dire. Lorsque je suis en réunion nationale avec mes collègues d'autres régions, c'est vrai qu'en Midi-Pyrénées, on est un peu meilleur que les autres régions. On l'a vu donc dans les statistiques où le Midi-Pyrénées a un taux de développement plus important. Donc je dirais que par rapport à ce qui se fait dans le reste de la France, on n'est pas les moins bien placés. D'accord. Est-ce qu'il y a certains secteurs qui ont été relativement performants et inversement, est-ce que certains ont été plus en difficulté peut-être ? Alors les secteurs les plus en difficulté sont les secteurs qui sont liés directement aux investissements des collectivités, c'est-à-dire les bâtiments, le bâtiment, les travaux publics, mm-hmm. les infrastructures. Bon, aujourd'hui, la situation économique fait que nos dirigeants ne prennent pas de décisions de gros investissements et on les comprend. Par contre, bien entendu, les poids lourds de la région Midi-Pyrénées que vous connaissez, comme l'aéronautique, l'espace, l'agroalimentaire, le tourisme a bien fonctionné en 2011. Voilà, vous avez un certain nombre de secteurs qui ont bien fonctionné en 2011. D'accord. Comment vous voyez cette fin d'année 2011 et quelles sont vos prévisions, vos perspectives pour 2012 ? Écoutez, alors aujourd'hui, alors qu'il y a un G20 et que toute l'actualité tourne autour des décisions qui sont prises, qui vont être prises à Cannes aujourd'hui, la Grèce, etc., faire des pronostics, faire des prévisions, c'est très très compliqué. Je suis dans le monde, moi, de l'assurance, dans le monde de la finance. Nous avons des conseils d'administration régulièrement dans mon groupe et c'est vrai que les perspectives sont inquiétantes, mais aujourd'hui, tant que les décisions ne sont pas prises, moi je reste optimiste. D'accord. Au moment de votre réélection, on était fin d'année dernière, début de cette année, vous estimiez à l'époque que la CCIR était plus observatrice finalement qu'actrice du développement économique. Quelques mois après, qu'est-ce qui a changé ? Et effectivement, c'est bien ce que j'avais déclaré. Et nous sommes en train de mettre en place une organisation qui va permettre justement d'inverser les rôles. Alors ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Nous avons donc aujourd'hui créé, structuré notre chambre de commerce régionale. Mmh. Nous avons mis en place 11 commissions thématiques sur l'ensemble des sujets qui intéressent le monde économique. Nous avons des représentants dans toutes les infrastructures, dans toutes les structures qui aujourd'hui s'occupent du développement économique. Et c'est par ces biais-là, avec une politique qui est en train d'être définie par nos schémas sectoriels, que nous allons prendre, je l'espère, je le souhaite, ardemment, une place plus importante dans les décisions. D'accord. La réforme des CCI est entrée en vigueur en janvier dernier. Concrètement, actuellement, où en est-on ? Qu'est-ce qui a changé ? Alors, où on en est, c'est mon travail à plein temps. C'est-à-dire qu'il faut, là aussi, c'est une réforme qui est très compliquée à mettre en place parce que on nous demande de récupérer l'ensemble des personnels des chambres territoriales, on nous demande d'avoir un budget commun, on nous demande de mutualiser et on nous demande de faire plus pour les entreprises avec 15% de fiscalité en moins. Donc c'est compliqué, ça ne se fait pas en un an, mais ça y est, le mouvement est en marche et le mouvement est en marche au bénéfice de l'économie régionale et de nos entreprises. D'accord. On parle du Grand Sud aujourd'hui, au sommet économique, premier sommet économique organisé par le GIE France Économie Région. Que peut espérer justement pour vous le Grand Sud dans la compétition internationale ? Qu'est-ce qui lui manque encore pour gagner plus de poids ? Alors moi, je suis très impressionné par cette première heure de ce débat. Vraiment, voir autant de personnalités politiques, économiques, du monde universitaire, recherche, etc., c'est très impressionnant. Et on se dit que ces gens-là, déjà, peuvent se parler, se rencontrer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire abstraction d'un certain nombre de choses et de mutualiser, de mettre en commun, non seulement nos moyens, mais aussi nos idées, nos savoir-faire, notre intelligence, parce que la compétition, elle n'est plus
entre métropoles, elle n'est plus entre régions, elle est européenne, mondiale. Nous avons, ça a été rappelé tout à l'heure, des avantages énormes dans nos trois régions. Nous avons un fil conducteur qui est cet axe futur de la LGV qu'on espère voir aller jusqu'à Barcelone via Narbonne. Vraiment, aujourd'hui, j'appelle de tous mes voeux à cette mise en commun de moyens. On reste concurrents, mais soyons intelligents dans ces périodes économiques difficiles, soyons intelligents et travaillons ensemble pour le bien vraiment du Grand Sud. Didier Gardinal, merci. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis sur ObjectifNews.tv. Envie d'entreprendre, volonté de réussir. C'était le Club Éco d'ObjectifNews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'ObjectifNews.tv.